Hey, salut, j'espère que vous allez bien, mes petits helloufs. J'espère que vous allez bien en ce mercredi après-midi. Donc, pour ce live, parce que je vous rappelle, je fais des lives tous les mercredis à 18h. Alors oui, bon, là, je l'ai fait 15 minutes avant parce que ça m'arrangeait, parce que juste après ce live, il faut que je finisse la vidéo. Qui sortira samedi à 13h. S'il n'y a pas de souci, parce que comme je vous ai dit au live dernier, en fait, le problème des vidéos Peppa Pig, en fait, faut que YouTube fasse un examen manuel pour que ça soit monétisé, tout ça, enfin bref. Voilà, donc c'est pour ça qu'il faut, en fait, qu'il faut que je fasse la vidéo bien, enfin plusieurs jours en avance, et tout, enfin voilà, quoi, c'est juste une question d'organisation. Oui, kakou kakou. Putain. Le kaku kaku, bref, on l'entend partout. Alors, j'ai sélectionné plusieurs parodies sur Peppa Pig. Et il y en a vraiment pas mal, hein. Donc, on a quoi de. Enfin, on a plein de choses on peut regarder plein de choses. Il y a certains trucs aussi. Faut que je fasse attention aux droits d'auteur. Parce que Hasbro, ceux qui ont Peppa Pig, ils font assez chier, hein. Ils font. C'est pour ça qu'il faut faire attention, hein. Parce que eux, même Alien Gangster, il a failli perdre sa chaîne à cause de Hasbro. Donc, enfin voilà, bref. C'était il y a un moment. Oui, parce que. Attends, qu'est-ce que je vais dire? Je me perds. Je vais mettre ces parodies-là. Vous pourrez y réagir dans le chat en même temps, là, voilà. Oui, parce que comme vous avez vu... Oui, ah! Je voulais aussi vous remercier déjà de venir de plus en plus nombreux sur la chaîne, surtout grâce à la vidéo « Si Peppa Pig était pas pour les enfants », qui a dépassé le cap des 100 000 vu, ce qui est énorme en tant que vidéo longue, attention, hein, parce que j'ai quelques... Vidéo longue et vidéo short, c'est pas pareil, hein. Puis sur une vidéo longue, arriver au stade des 100 000 abonnés déjà en 2 semaines, c'est super. Et surtout aussi, étant donné que la chaîne, en ce moment, elle faisait pas... Les stats étaient vraiment pas fous, et c'est grâce, depuis 2 semaines, que grâce aux vidéos Peppa Pig, que ça a bien remonté. Et merci, c'est pour ça que c'est important, les gens, que vous partagiez les vidéos, que vous commentiez, mettez des pouces bleus, et bien sûr que vous abonnez à la chaîne. Ça soutient énormément la chaîne, parce que bon, YouTube en ce moment, on sait pas trop, enfin voilà, j'ai dû tout revoir plein de choses. Mais voilà, attends, on va regarder maintenant les vidéos. Tiens, la coupe que tu mérites. Oh, merci Laura. Attends, j'ai sélectionné quelques-uns. Hop, attendez, attendez. Hop, hop, hop. Mince, il y a le son qui s'est. Hop. Attendez, attendez, je vais mettre mes écouteurs. Merci beaucoup, Guillaume. Hop. Alors, il y a cette chaîne. Hop là, je vais les partager. Voilà. Que vous avez dû voir que j'ai doublé une de ces vidéos de Peppa sur Minecraft. Et qui est super bien, ces animations. Je vous recommande, mais c'est trop. Enfin, il fait aussi sur plein d'autres choses. Je tiens à rappeler, parce qu'il y a quelques-uns qui savent pas. Bon, je sais que la majorité, vous savez, mais il y a quelques. Oh, je peux le dire, il y a quelques petits débiles. Qui ne comprennent pas le concept de parodie. Parce que, juste petit aparté, quelqu'un qui. Enfin. Quelques personnes même qui me disaient ah, tu voles du contenu de machin. Bon là c'est séquence et la vidéo d'il y a 2 jours aussi de Roblox c'était d'une autre chaîne. Tu voles du contenu, c'est pas toi, enfin c'est pas ta vidéo, nanana. Le doublage parodique, de base, c'est de prendre l'image qui t'appartient pas, par exemple d'un film, d'un truc, enfin voilà. Et puis de toute façon, à chaque fois, je mets la vidéo originale dans la description, le lien de la vidéo originale dans la description. Je fais toujours ça. Donc il s'agirait de lire la description, la description des vidéos, c'est pas fait pour les chiens.
Merci. Voilà, il s'agirait de savoir lire que plutôt de dire que je vole, je sais pas trop quoi. En plus, attends, okay. Bon, c'était un gamin hein, qui disait comme quoi la vidéo, enfin la, bah, là, c'était, attends, c'était celle-là que, non, celle-là que j'ai doublée. Genre, oui, t'as volé cette vidéo et en plus il y a Furious Jumper qui a réagi à cette vidéo, nanana. Ah oui, donc en fait une vidéo réaction comme je fais là, ça nécessite beaucoup plus de travail qu'une vidéo doublage. Oui, bien sûr. Ouais, ça a pris des heures à faire qu'une vidéo réaction, bah là vous voyez. Là, par exemple, la vidéo a duré 8 minutes. Voilà, ça a été 8 minutes à tourner. Bon, après, t'as des cuts à faire, enfin des trucs, un peu de montage à faire pour la mettre en ligne. Mais bon, faut pas exagérer non plus. Bah voilà, même mon micro, il est choqué. Des jaloux, mais oui, non, mais ils sont juste bêtes. Ils savent vraiment pas ce que c'est le concept d'un doublage parodique. En plus, je change tout l'audio, quoi. Et c'est même pas une traduction aussi, hein. Je fais aucune traduction. Déjà, j'ai un level d'anglais nul à chier. Vous avez dû remarquer avec mon accent pourri. Je le fais même pas exprès en plus, hein. Voilà. Bon. Ils sont juste. Soit ils connaissent pas, soit ils font pas d'efforts. Enfin bref. Et je réponds même pas parce que ça. Ils sont juste bêtes de pas répondre aux. Ça perd plus de temps qu'autre chose. Bon, alors là, il y en a pas mal à regarder. Qu'est-ce qu'on pourrait regarder? Ah, celle-là. Oui, le live à chaque fois dure 1 heure. Ah, ouais. C'est tous les mercredis à 18h. Moi, on va réagir à ça. Et vous pouvez réagir aussi à... Enfin, dans le chat. Attendez, combien? Oui. Oh. Hop là. Bah, attendez. Pourquoi moi j'ai pas le son? Ah non, c'est au début. Il a dû avoir un problème. Ok. Suzy qui a... Non mais j'adore. Suzy qui frappe aussi un mouton alors que c'est aussi un mouton. Ah bon, il est tombé. Attends. Attends, il y a trop de choses qui se passent. Mon Bastic Side Eyes. Ah mais vous, c'est carrément ce qu'elle a fait, attends. Déjà, oh là, déjà, elle fait tomber son... Enfin, Georges, toujours la victime, hein, elle frappe toujours Georges, le pauvre. Et là... Ouais, je crois qu'elle l'a frappé. Elle l'a frappé, faut pas aller lui faire confiance. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ah oui, pour... Waouh, le stand de gravité est pas fou là. Hein. Ouais, mais pff, il est trop bête. Et craft un arbre avec ses poings. Elle est trop forte, Peppa. Hop là, elle se fait petite épée, tout ça, crafter, enfin. Hop là. Wouah! Elle tue tout le monde, même un cochon! Elle est. Ben oui, elle est cannibale. Oh, un zombie sur une cocotte? Quoi? Ah bah oui. Allez. Elle se fait aussi bolosse par Suzy. Et Suzy qui monte un mouton, ouais. Ah, elle est dans les caves. Oh. Ah oui, le fameux truc pour pas se faire écraser. Et du coup, tu mets de l'eau. Ça fait un moment que j'ai pas joué à Minecraft, par contre. Vous y jouez de temps en temps, vous ou pas? Alors, le mec fan d'animé, si tu serais ban, tu mettrais pas de commentaires, hein. Bref. Ah, les zombies là. Est-ce qu'il y a
café. Ah oui. Ouais. Elle creuse. Eh, c'est un gros chien, lui. Pedro. Oh, le bolos. Et Pedro, oh là, c'est un scripper. Je sais pas, j'avais vu quelqu'un dans un commentaire qui avait mis que c'était un fantôme. Non. Un gros scripper. Pedro, ça fait un moment que je l'ai pas doublé, lui. Ah, bah y a deux pépins. Wow. Ah, mais non, je suis con. C'est Georges. Oh là là. J'ai confondu Pépa avec... avec Georges. Parce que là, Suzy... Ah ouais. Ils veulent la défoncer. En plus, ils ont un stuff de diamants. Oh. Attends, c'est quoi ça? Oh non. Elle a tué son frère, elle en a fait un saucisson. Oh là, le combat Suzy Peppa. Ouais, elle est pas contente Suzy. Voilà, elle mange un petit peu de saucisson pour se remettre, pour être plus forte. On comprend, le saucisson, ça donne de l'énergie. Ah là, elle est host... Waouh. Est-ce que elle va les tuer? Wow, ça... Oh là là, le gros combat! Combat super épique! What? Bah oui. Ah non, ça tombe pas, je suis bête. Ah oui, bon, là, ils vont tomber. Ouais, il a pris un space cake. Oh non, pas le poulet. Elle va faire du KFC. Oh, bah, du KFC, hop, dans la poche, ouais, pour plus tard. Oh, bah, il est pas mort. S'il a mal, là. Va lui cracher sur la gueule, voilà. Pff. Oh non. Attends. Ah bah oui, elle est essoufflée, hein. Faudrait peut-être perdre un peu de kilos. Hein. Ah oui, c'est le portail pour aller dans... je sais plus comment on s'appelle, là. S'il y en a qui ont le... si vous savez... Merde, c'est le portail pour aller dans... Battle Under Dragon, je sais pas trop quoi, là. Ouais. Ah, mais en tout cas, sur Minecraft aussi, oui, ça avait bien marché. Mais je ferai aussi, si Peppa Pig jouait à Minecraft, au lieu de été dans Minecraft. Ou aussi, si Peppa Pig jouait à Roblox, de... Au lieu de si Peppa Pig était dans Roblox. Enfin, plein de variations comme ça. Déjà, ah oui, je vous ai pas dit. Donc samedi 13h, ça sera si Peppa Pig était interdit pour les enfants. Donc c'est le même style de si Peppa Pig n'était pas pour les enfants. Le premier épisode qui a fait plus de 100 000 vues. En même temps, forcément, la vidéo, elle a super bien marché, alors faut en faire d'autres. Mais j'ai écrit aussi plein d'autres idées hein, sur Peppa, parce que forcément, comme ça marche bien, faut que j'en fasse d'autres. Une version horreur dans 2 semaines, doublée Peppa Pig version horreur, ça. Là, ça pourrait être super bien. Et aussi faire des. Bien sûr, Peppa Pig avec d'autres personnages comme Mario. Je sais pas, ou Mercredi, Squid Game, FNAF aussi, on m'a proposé FNAF, c'est une bonne idée, ou d'autres styles, enfin si vous avez des idées aussi de doublage avec Peppa Pig, n'hésitez pas à me le dire, pour que je note, voilà.
Interdit carrément. Oui, mais non, mais c'est pour. Tu sais, c'est pour faire les gros titres pour que les gens cliquent. Hein. C'est enfin du genre. Enfin, c'est pour dire que la vidéo, c'est avec un langage grossier. Voilà. C'est plus trash que mes autres doublages. En tout cas, Peppa Pig. C'est ça qui est bien aussi, ça change. Oui, un clash aussi, c'est ce que j'ai pensé, un clash mercredi Peppa, enfin, ce serait quand même un petit peu bizarre, ou mercredi Miraculous, ou je sais pas, enfin, pas en avoir plein. Peppa Pig dans FNAF, ouais, oui, exactement aussi. Voilà, bref, on va reprendre la vidéo. Hop là. Alors perso, dans Minecraft, j'y suis jamais allée dans ce monde parce que c'est tellement chaud, tu te fais tuer, tout ça, je suis trop nulle. Je suis trop une noob. Where is she? I don't know. Oh les gros cochons villageois là. Oh, ils sont chauds eux. Oh! Wow, mais qu'est-ce qu'elle a fait? C'est un cheval ou je sais pas trop quoi? Ouais, ok. Même lui, il était choqué. Ah ouais, les squelettes là. Ah oui, d'accord, elle est montée dessus. Wow, c'est quoi ce truc? Ok. You took everything from me. Ça serait marrant. Attends, comment ça s'appelle ces créatures? J'ai loupé des trucs dans Minecraft ou c'est comment? Peppa la droguée. Ah oui, c'est bien aussi, ouais. Ouais. Des Blaze. Ah, merci beaucoup, Lydivine. Bah, je savais pas. Ah ouais. J'ai jamais entendu parler de ça. Ça va péter! Ah, là, elle est prise au piège. Qu'est-ce qu'elle va faire? Un poulet! Vous voulez du KFC? Oh, son KFC, il vole! Je crois pas qu'on peut faire ça dans Minecraft. Eh, c'est quoi ça aussi? C'est pas des méduses ou je sais pas quoi? Non, attends, c'est quoi ce truc-là? Enfin, des méduses, des pieuvres. Ah ouais! Elle est cheatée, elle! Bon voilà. Si facile que ça. Peppa vs Suzy, c'est une bonne idée ça. Et maintenant Suzy, j'adore la faire une voix comme ça. Et aussi dans ma dernière vidéo Roblox, parce que c'est vrai que sur les premières, je faisais Suzy avec une voix aiguë comme Georges. Mais vaut mieux faire des voix différentes. Et maintenant j'ai fait la voix comme ça. Bah super chiante là. J'adore faire lui faire une voix comme ça. Un petit cochon qui nage, ouais. Oh, le cheval là, il est un petit peu mort. Ah oui, d'accord. Et franchement, par rapport à l'épisode que j'ai doublé de Peppa, là, elle s'est améliorée, hein, parce qu'à chaque fois, elle mourait. Mais là, elle est cheatée, Peppa, là. Ah ouais, elle attend. Ah, c'est pas con. Un petit poulet. Bah, elle a mangé son KFC. Ah, le gros chien, là. Ah. That was a bit quick. La bataille finale. Wow, mais elle meurt toujours pas. Faites-en ce... Oh, bon, par contre, le chien, ça se mange pas trop. Ah, ils sont plus que trois. Pas Blizz.
Ouais, fallait pas être grand, hein. Ah non, il y a George encore. J'adore les cris comme ça. George. Ah, les Slenderman, eux, ils me font trop... Ils me font trop flipper, eux. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle voulait faire quoi? Oh, George, elle est... Oh. Ah, voilà, c'est l'Under Dragon, ça. Le petit KFC. Attends, attends. Attends, qu'est-ce que j'ai vu là? Qu'est-ce qu'il fait lui? On dirait qu'il pose sa pêche ou je sais pas. Jamais vu un Slenderman comme ça. Oh, le dragon! Oh non, elle a cassé son épée contre le dragon! Oh! Ah oui! Un poulet peut aussi servir d'arme, hein. Il a posé un cacou-cacou. C'est plutôt un cacou-caca. Voilà. Wow! Attends, elle a tué le dragon comme ça? Quoi? Attends, attends, attends. Wow! Mais trop bien, je rappelle, hein. Attends, je rappelle, c'est cette chaîne là, il y en a encore plein d'autres, séquences, voilà, attends, du coup, d'autres, j'ai d'autres vidéos, oh, pourquoi j'ai rechargé cette page? Non, c'est bon. Moi, j'ai lu le chat en double, bon, c'est pas grave. Alors attendez, j'ai d'autres parodies. Ah oui, ça c'est une parodie française. Attendez. Bah du coup, ça forcément, comme c'est français, qu'ils font déjà du doublage, tout ça, ça je peux pas doubler sur ça, parce que eux ils font l'animation de A à Z, et ensuite ils doublent tout ça. Et peut-être que vous connaissez, c'est Rob de Freitas. Ils ont fait d'autres doublages comme ça de Peppa Pig, mais c'est trop marrant! Enfin, d'autres doublages, enfin, d'autres animations, tout ça. C'est trop, trop drôle. Je vais juste en mettre une de eux, mais vous allez voir. Je connais... Ah oui, oui, vous connaissez. Peppa, c'est règle. Grande fille maintenant. Elle a eu ses premières menstruations. Eh oui, depuis ce matin, j'ai du sang qui coule dans ma culotte. Mais pas d'inquiétude, j'ai mis un tampon. Peppa, qu'est-ce que tu as là? C'est un tampon, papa. Oh, ma petite Peppa est devenue une femme. Oui, et j'ai réussi à l'enfiler toute seule, comme une grande. C'est vrai, j'étais là quand elle l'a mis. Je suis fière de toi, Peppa. Attends. Le petit frère qui regarde sa sœur mettre son tampon, oui, c'est tout à fait normal. On n'est pas... Enfin, bah, ouais, c'est peut-être une famille du Nord, mais bon. Mais attention, une vraie femme comme toi ne devrait pas mettre de tampon. Ah bon? Ta maman a raison, oui. Peppa. Tu es une grande fille maintenant. Et tu sais ce que font les grandes filles à ton âge? Quoi donc, papa? Elles font du fric, de la maille, du flou. C'est-à-dire? Tu vois, Peppa, depuis toujours, notre sang est utilisé pour faire quelque chose que l'on appelle le boudin. Oh non, ils ont osé faire cette blague. J'adore quand c'est trash comme ça, non mais... Qu'est-ce que c'est? C'est ce qui sort de moi quand je fais mon popo. Ah non, non. Ah. Ça, c'est le caca. C'est ce que nous utilisons pour faire les desserts au chocolat. En plus, attends, j'ai vraiment mangé un boudin noir hier soir. Donc ça me fait penser... Ah, c'est dégueulasse. Ah, mais qu'est-ce qu'ils font? C'est du... Ah oui, c'est du caca, oui. Putain. Le boudin est une spécialité très appréciée par certains mammifères. Et le sang en est l'ingrédient principal. C'est pourquoi nous le stockons dans des grandes cuves en fer comme celle-ci. Ah ouais, ah. Mais croyez que c'était du sirop de fraise? Il est con, lui.
Sinon, le boudin, c'est très bon pour la santé, c'est plein de fer, tout ça, si vous êtes en manque de fer et plein de protéines, tout ça, enfin bref. Voilà. Ah, non, pardi. Et pour y arriver, nous utilisons des pompes adaptées, comme ça. Ah. Tandis que le tampon, lui, stoppe l'écoulement du sang et détériore son goût. Oh, ah, je vois. Ouais. Et ensuite, vous faites de l'argent en le vendant, c'est ça? Tout à fait, mais ce n'est pas tout. Sache que très bientôt, ta poitrine va grossir et tu pourras également en tirer profit. Avec les garçons? En faisant du lait? Mais non, voyons, qu'il est bête. Tu pourras découper ta poitrine en fines tranches et la vendre sous l'appellation jambon de pays. Découper ma poitrine en... C'est très bon le jambon de pays. En tranches? C'est très bizarre. Les femmes font ça? Bien entendu. Pourquoi crois-tu que ta mère est si plate? Eh oui, ma chérie, j'étais à peine plus grande que toi quand je l'ai fait. Oh, je comprends mieux. Je me suis toujours demandé pourquoi les autres mamans avaient une poitrine et pas toi. Et pourquoi crois-tu que ton père n'a pas de pénis? Bah oui, du saucisson. Comment vous croyez qu'ils font des les saucissons? Les saucissons de porc? Bah oui, c'est exactement à cet endroit-là qu'ils prennent ça au porc. Tout simplement car je l'ai coupé et vendu sous l'appellation saucisson sec. Bah voilà, tout sec. Et tout desséché. Oh là là, on fait tomber mon crayon. Ah, du bon saucisson sec là. T'es ça le paquet que t'avais laissé sécher au-dessus de mon lit pendant plusieurs mois. Oh mon dieu, oh non. Tout à fait, et c'est grâce à lui que nous avons pu acheter à Peppa cette belle robe. Mais pas assez pour faire corriger ton strabisme. Je t'explique maintenant. J'ai tellement hâte de pouvoir gagner de l'argent grâce à mon corps. C'est le rêve de toutes les femmes. On va pouvoir faire construire une grande piscine. Youpi, youpi. Très bientôt, la famille Pig pourra se baigner dans une immense piscine grâce à Peppa et vivra heureuse pendant encore de nombreuses années. Ah, et au fait, Georges, nous devons changer de voiture. Du coup, on va te couper la bite. Ah ouais, d'accord. Après, c'est peut-être, faudrait peut-être attendre qu'ils grandissent pour que ça soit... Enfin, bon... Parce que sinon, ça va faire des mini-saucisses. Bon, ben, voilà, voilà. Vous voyez un peu le genre. J'adore, c'est complètement décalé, tout ça. Voilà. alors, bizarre la vidéo. alors, une autre vidéo... Ah, c'est YTP. Ah, attendez, attendez. Vous voyez, bah... Vous... Ah. Voilà. Il y a plein d'YTP sur Peppa Pig. D'ailleurs, c'est ça qui m'avait donné envie de faire... d'avoir commencé... Oh, ça me gratte l'œil. D'avoir commencé des doublages Peppa Pig, parce que bah déjà, je voyais plein de shorts, enfin de TikTok sur Peppa Pig. Et alors... Oui, il faut savoir que... Alors, je suis de 99, mais Peppa Pig, j'ai jamais vu ça quand j'étais petite. Hein. Je crois que c'était pas encore à la télé ou voilà. En tout cas, j'ai aucun souvenir comme quoi je regardais ça, c'était... Non. Donc, j'ai jamais regardé Peppa Pig. Hein. C'est pas du tout de ma génération. C'est juste parce que j'ai vu des parodies de Peppa que ça m'a donné envie de voir. Et j'ai vu des extraits, j'ai fait « Ah ouais, non mais Peppa, mais qu'est-ce qu'elle est bête !» Il y a plein de possibilités à faire, il y a plein de trucs à faire sur Peppa Pig. Ouais, la première fois que j'avais fait du doublage sur Peppa Pig, bah, c'était en 2022, début 2022. Bah, la première vidéo, enfin j'avais fait une compile de toute... c'était avril 2022, un truc comme ça, enfin bref. Et ben voilà, et du coup là, un YTP, c'est ça? Ouais. Ah oui, attends, juste j'ai coupé parce qu'il y avait une musique de droit d'auteur au début, mais voilà. Tape YTP, ouais, mais on verra, il y en a encore plein d'autres YTP sur Peppa. Day. What a lovely day. Day. Peppa and George are wearing their boots. Ouais, attends, juste Aïcha, petite question, tu en penses quoi du dessin animé sans parodie? Ouais, bah comme je viens de dire tout à l'heure, mais c'est nul.
parce que du coup, quand je fais mes parodies, je suis obligée de regarder un vrai épisode. Mais je vous jure, je suis là, oh là là, mais je l'insulte à travers mon écran, et c'est plus une souffrance. Mais après, je fais la parodie, tout ça, et je rigole quand je la fais, enfin, ça, c'est un plaisir. Mais c'est vrai que, après, regarder Peppa Pig, c'est pas vraiment un plaisir. C'est un plaisir de la doubler, mais pas à la regarder, hein. They are going to jump into... I love poo puddles. Les flaques de caca. Oh, attendez. Oh, en parlant de flaques de caca. Oh là là, attendez, parce que du coup, je me suis abonnée à la vraie page de Peppa Pig sur Insta. Pour suivre les tendances, tout ça. Et ils ont partagé ça, comme quoi sur Amazon, il y a enfin... Ils vendent enfin ça. Attendez, faut que je vous le montre. Ils vendent des flaques de boue. Attendez. Ils vendent des flaques de boue sur Amazon. Tu peux acheter des flaques de boue. Plus besoin d'attendre la pluie. Vous pouvez maintenant obtenir un sac de flaques de boue. Parfait pour sauter dans les flaques toute la journée. Voilà. Et 4,7, hein, la vie, vous avez vu? Mince, attends, il est où mon doigt? Ah, il est là. 4,7, il y a beaucoup qui sont... Attends, il y a 232 avis. Et les gens sont contents. Alors que bon, ta boue, tu peux la faire toi-même dehors. Hein. Ouais, c'est bizarre. Mais moi, j'ai fait... Pour ça, j'ai fait une capture. J'ai fait, mais attends, comment ça? C'est juste parce que c'est écrit Peppa Pig. Hein. Enfin, c'est juste de la terre avec de l'eau, quoi. Et ils vendent ça. Non, pas du flaque de caca. Mais bon, pourquoi pas, c'est le marketing, hein, c'est... Voilà, tout ça pour se faire de la moulaga, hein. Bref, on continue avec... Elle a sauté dans la flaque de caca. Voilà. Ça a desséché tout le monde. Non, monsieur Patate. Attends, je crois, on sait pas s'il y a des droits d'auteur. Voilà. Never mind, Peppa. It's so sunny. Le caca est tout desséché. Yes, d'accord. All right, Peppa, George, here's your weapons. Ah oui, par contre, attends, il y a des droits d'auteur. Là. Ouais, ok. Wow, attends, elle a fumé, elle. Wow. Very hot days, Miss Rabbit tells me. Hello, Mummy Pig, Peppa and George. Hello, Miss Rabbit. One for Daddy Pig, please. Ah ouais, de l'herbe, on va dire de l'herbe. Faut pas. Faut que je quand même. Je fasse attention aux termes que je dis. C'est de l'herbe. Enfin, c'est du gazon. Ne vous inquiétez pas, elle fume du gazon. C'est pour la santé. Pas du tout, hein. And what would young Mr. George like? D'accord. Ah, bah, l'a kidnappé. Bon. Oh! Daddy okay. Pig is dead because Peppa shot his head off. Let's put his head back on before he bleeds to death. Ok. Attends, j'essaie de comprendre. Transformation, je sais pas. Waouh, c'est un peu excessif. Daddy Pig is going to the mental hospital. Bah, il va à l'hôpital, bah j'espère bien. Mon cerveau en dépression. Oh là, c'est trop, il a abusé sur le montage. Welcome to Grumpy Rabbit's Mental Hospital. Ooh. Are they really? Psychiatrically unstable people. Yeah? No, just singing dinosaurs. Les dinosaures. Okay. Do you want to meet it? No. These are its footprints.
We just have to follow them. Oui, les traces de dinosaures. Ils sont vraiment bêtes, hein. Comme quoi, il leur fait croire n'importe quoi. Regardez, il y a des traces de dinosaures, on va voir un vrai dinosaure. Ouais. Ils vont dans un... Ouais. Oh, the footprints have stopped. Look! Wow! It's a big dinosaur. Mais c'est un faux, il a menti. Ah, le gros mytho. C'est juste un toboggan. Par contre, le toboggan, j'aimerais bien l'utiliser un jour. It's my whopping ginormous whop. Wow! C'est un peu long, le toboggan. Wow, wow, mais... Attendez, je crois qu'il n'y a pas que Madame Rabbit qui a fumé tout à l'heure, il y a aussi le monteur. Mais j'adore ce genre de montage complètement what the fuck. Par contre, le temps qu'il faut mettre pour faire tout ça, voilà. Voilà, il prend feu tellement qu'il va vite. Right, my little explorers. Are you ready for the next bit of the adventure? Yes. Ah oui, et voilà, et après il se fait bouffer. Donc il y a vraiment un vrai dinosaure. Il les a amenés juste pour que le dinosaure il les bouffe. Et voilà. Après, comme ça, elle nous fait plus chier, Peppa. Hein. Donc. Ok. Ok, ok. Je l'ai senti venir. Ouais. Moi aussi. Ah, ouais. J'en ai un autre. Oula, attendez. Alors là, c'est une animation que quelqu'un a fait, mais vraiment. Très spécial, une animation en 3D, et justement, dans, pas ce week-end, mais l'autre week-end, je compte faire un doublage Peppa Pig version horreur, alors pas avec cette animation que je vais vous montrer, avec d'autres, enfin vous allez voir, mais ouais, Peppa Pig version horreur, mais comment ça change tout? Vous allez voir, alors, c'est ça, de la chaîne The World is Ending... And I'm late for work. Putain, mon anglais. voilà. Bon, let's go. J'espère que vous allez pas vous faire caca dessus comme George. Déjà, mais c'est quoi ces têtes? It's very grown up. Attends, par contre, y a pas la traduction, si? Heads, shoulders, knees and toes, knees and toes. I think it might be c'est broken. Peppa Flip. Peppa, George, come home, please. Peppa, mummy doesn't sound very happy. We best hurry then. Oh, je sais pas ce qu'ils disent, mais bon. Wow, oh là là. Peppa. Ah, George. Wow, c'est quoi cette traduction? Ils ont mis tout d'un coup. Je vais enlever parce que ça nous. Je sais. Ils ont mal fait le. Attends, ça me fume. Ils ont tous des. Du coup, une tête de profil, mais pas de profil parce que c'est de face. Enfin, bref, c'est trop bizarre. Mais lui. C'est une tête en face, mais plus petite que par rapport à son corps. Ok, mais what were they arguing about? Apparently, it was over nothing. Et attends, pourquoi c'est des manchons, ces mains, là? Ils ont dû le couper pour... Ouais, j'espère que ça vous traumatise bien comme il faut, votre enfance, tout ça, ruiné. Waouh, je sais pas trop ce qu'ils se disent. Mais j'ai compris qu'ils avaient faim, que du coup, ils peuvent peut-être se manger. Mais par contre, c'est un vrai truc que les porcs peuvent aussi manger.
du cochon. J'ai déjà vu des vidéos où il lançait du bout de porc, il mange tout, hein. Mais vraiment, il mange tout, même des restes humains. Parce que c'est déjà, enfin, d'ailleurs, un petit astuce pour vous, si vous voulez vous débarrasser d'un corps, donnez-le au porc et puis voilà, débarrassez. Et puis même les poulets, hein, tu leur donnes du poulet, ils mangent, hein. J'ai rien capté. Est-ce que vous avez capté l'histoire? Enfin, bon, déjà, j'ai pas mis la traduction parce que ils avaient mal mis. Bref, voilà. Mais voilà. Je suis traumatisée. Je pense que vous aussi. Voilà. Oh mon Dieu, mais c'était quoi ce qu'on vient de voir là? Mais pas avant, l'hôpital psychiatrique, ça a brisé mon enfance. Oh mon Dieu. Alors sinon, est-ce qu'il y a d'autres trucs? Ah oui. Parce que du coup, je me suis abonnée à plein de chaînes qui font des parodies comme ça. Est-ce que... Attends, du coup... Ouais, voilà. C'est Mega YTP. Voilà, on est sûr c'est du YTP. Là, il n'y a pas de truc à ce bon. Ils en font aussi plein d'autres, mais là, c'est le dernier qui est... Alors, ce... là, je l'ai pas vu. Hein. J'ai pas vu d'extrait tout ça. Et là, vous inquiétez pas. Oups, ça fait pas peur. Là, on va rigoler. RP pas, c'est... Ah oui, oui, ah, je vais mettre ça après. C'est vrai. Make jelly. First, someone needs to lick out the bowl. Ah, ils font de la gelée. Bon, là, c'est du caca, ils mangent du... je sais pas. Take out the jelly tubes. Okay. Le pudding. Vous savez que quand on tapote dessus, ça fait penser à autre chose. Voilà. Ah, oh, ça me donne envie d'en manger. Plus j'ai faim, là. C'est vrai, tout ce qui est flan, gelé, t'as envie de les secouer, t'es comme... Ou tapoter dessus, comme... enfin bref. C'était un gros fiac. Mais de l'eau chaude, pourquoi? Ah, pour faire du pudding, il fait vraiment du pudding. Strawberry, strawberry, juicy, red and sweet. Strawberry, strawberry, they're so nice to eat. J'adore le petit dragon là. Mais c'est du slime. I think this is not how you should make jelly. The fridge will make it go cold and wobbly. D'accord. Quoi? How long will it take? Not long. Let's set the timer. When the timer goes ping, the jelly will be ready. When the timer goes the jelly won't be ready. D'accord, ils vont attendre, mais c'est très loin. Jelly card for Mummy Pig. Very good. What should we write inside? Elle s'est pas dessinée. Mais oh, elle est en train de rôter ou quoi? C'est long. Wow. Ok. Après, je peux pas critiquer son écriture. La mienne est plus dégueulasse que ça. Jelly with Peppa and George. And can Granny have some too? And can Grandpa have some too? And can Mummy have some too? Ouais, bon, elle nous fait chier. Ah, le pudding. And the jelly is ready. We just turn the mold over on the plate and out pops the... The jelly has gone. Over on the plate and out pops the jelly on a plate. Jelly on a plate. Wibble wobble, wibble wobble, jelly on a plate. D'accord. Bon, c'était un petit truc comme ça. Bon, c'est vrai, moins marrant que les autres. Attends, du coup, on m'a dit Peppa Pig. R Peppa. R Peppa.
Attends. Malheureusement, c'est trop chiant, tu vois, quand il y a écrit suggéré Hasbro machin, ça veut dire qu'il y a des droits d'auteur d'Hasbro. Et j'ai pas envie qu'il m'enlève mon live ou qu'il saute ou voilà, donc non, désolé, je veux pas voir. Il y en a plein aussi comme ça où plein de parodies que je voulais voir là en live avec vous, mais comme il y a écrit ça, bah du coup je veux pas prendre le risque. Désolé. Attends, on a encore un petit peu de temps avant de finir ce live. Attends, il y a quoi d'autre? Ta-ta-ta, attends. Greg TP, Peppa Pig. Si vous pouvez me proposer d'autres vidéos dans le chat aussi. Ah, attendez. Ah, parce que la musique, mais oui, la musique aussi, il faut pas mettre la musique, il y a des droits. Ah oui, il y a un truc là. Bon, c'est très court. Il y a juste une vidéo qui est... Aujourd'hui les enfants, c'est la fête internationale. Attendez. Ah ! C'est une occasion. Voilà. Oui, aussi, elle est une gangster, oui, ces vidéos. Oui, que je connais très bien, du coup. Comme on collab ensemble et tout, on s'envoie des messages. Aujourd'hui, les enfants, c'est la fête internationale. C'est une occasion unique qui permet de célébrer l'ensemble des pays du monde. Génial! Peppa est habillée en française. Ah, mais... J'avais fait un doublage sur cet extrait où j'avais fait tous les clichés moi je suis française, oui oui baguette. Et attends, lui en russe. J'avais mis un truc, une musique russe. George est un américain, il ne connaît pas la géographie. Et elle a fait Yamete kumasai, enfin bref, voilà. Attendez, oui, du coup. Oui, bah bien sûr, Alien, que je connais très bien. Toutes ces parodies. Je suis aussi abonnée. C'est la dernière. Mais hein. Ça va bien se passer. Ça. Moi, j'ai déjà vu. Une minute. Peppa et sa classe sont au château de la reine d'Angleterre. Youhou ! Y'a quelqu'un ? Ferme ta gueule. À mon avis, la reine. Ferme ta gueule. Voici la reine d'Angleterre. Et toi, oui, c'est vrai que tout le monde est des animaux, mais sauf elle. J'aurais pu. Ah oui, c'est vrai qu'elle est morte, elle. Bon, peu importe. Pas vu la pute d'Angleterre par hasard? La vieille qui ressemble à un vieux pruneau tout dégueulasse, tout desséché. Eh bien, c'est moi la pute qui ressemble à un pruneau desséché. Véronique, faites un infarctus. Je savais pas que c'était vous, je suis désolé de vous avoir traité de pute. Moi, je suis pas désolé, vous ressemblez vraiment à un pruneau. Heureusement qu'aujourd'hui, je suis d'humeur gentille, parce que sinon, connaisse. Je vous aurais guillotiné. C'est la première fois que je vois une humaine, y a moyen de vous foudroyer l'anus? Non, désolé. Okidoki, pas de soucis, madame. Enfin, bref. On va aller s'amuser dehors. La reine d'Angleterre emmène Peppa et sa classe à l'extérieur du château pour s'amuser. Oh là 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 là, il y a un gros trou devant moi, les enfants. Je ne peux plus avancer, je ne sais pas comment faire pour traverser. Vous êtes bête ou quoi, madame? Il suffit de contourner le trou, vous croyez pas? Non. Bah si. Non. Elle veut les jeter dans le trou. Non. Bah si. Non. Bah si. Non. Ça dure longtemps. Voilà. Aujourd'hui, les enfants, on va faire de la musique. Vous allez pouvoir me montrer vos talents, voilà. Allez, fermez vos gueules, bande de fils de pute. D'abord, vous devez aller chercher un instrument dans cette salle. Peppa et les autres élèves se dépêchent pour prendre des instruments. Madame, comment j'utilise ça? Ils vont nous casser les oreilles. Un bongo, petit chien de tes morts, c'est super simple. Il suffit d'utiliser tes mains et puis de venir taper dessus comme ça. Ah, il s'est chié dessus.
gogoles. Bon, maintenant que vous avez vos instruments, vous allez jouer un morceau tous ensemble, les enfants. Impressionnez-moi. Et c'est parti. 1, 2, 3. Ouah, ils font du métal. Stop, stop, stop. C'était vraiment trop éclaté. Vous allez finir à McDo ou chômeur, bande de gros nazes. Stop, stop. C'était vraiment trop éclaté. Vous allez finir à McDo ou chômeur, bande de gros nazes. Peppa vient de buter sa prof. Maman, est-ce que tu peux nous montrer comment on fait des pancakes, STP? Bien sûr, Peppa, je vais vous montrer comment que je fais. Pour commencer, les enfants, il faut mettre un peu de farine. La farine. Ensuite, on aura besoin d'un œuf, d'un peu d'essence et de la cocaïne. La drogue, c'est mauvais. Et pour finir, il faut du sperme bien chaud de papa. Peppa et George adorent le sperme. Et on touille, et on touille. Dis, maman, est-ce que je peux touiller, moi aussi? Non, Peppa, nique ta mère. Peppa n'aime pas qu'on lui dise non, elle a vraiment niqué sa mère. Une mère qui dit à sa fille, nique ta mère. George a l'honneur de pouvoir manger le premier pancake de Maman Pig, recouvert de sirop de Monster, sauf que ça a tendance à rendre fou le petit cochon. Ah bah oui, oula, waouh. Oh, c'est con ça. Oh, c'est con. Le second pancake, c'est pour Peppa, Maman Pig va lui envoyer. Littéralement, puisque Papa Pig est obèse et qu'il a le diabète, la dernière part de pancake, c'est pour Maman Pig. Sauf que Maman Pig digère mal la cocaïne avec l'essence, ça va aller détruire les chiottes. Ah bah tu m'étonnes, oula. Oh mon dieu. Elle a explosé la maison, pas que les... Ce soir, Peppa et sa famille vont dormir dans un camping-car. Vous êtes arrivés à destination. Youpi ! Allez, c'est parti pour dormir. Les saucissons vont se mettre au lit. Comment qu'on va faire pour tous dormir ici ? Eh bien, déjà pour commencer, Peppa, moi et ta mère, on va dormir sur le canapé-lit. Oh ! Et comme vous l'aurez compris, les enfants, ce soir avec votre père, on va ken. Du coup, vous allez dormir sur le toit. Vous rigolez là, on va quand même pas aller dormir sur le toit. Allez, ça dégage. Peppa et George se retrouvent bel et bien sur le toit dans le froid et sous la flotte. Pendant que Maman Pig et Papa Pig sont en train de ken sauvagement. Bah, faut bien qu'ils se fassent plaisir. Aujourd'hui, Peppa, George et Mamie Pig ont rejoint Papi Pig pour faire une virée en bateau. Oyez, oyez, mon équipage, j'espère que vous allez bien. Très bien, rapproche-toi qu'on puisse grimper. D'accord, ne bougez pas, j'avance le bateau, mes petits bacon fumés. Papi, fais vraiment très attention en reculant, il y a une énorme poutre en bois. T'inquiète pas, Peppa, ça va bien se passer, je gère la fougère. Sauf que le poutre va bousiller le bateau. Le Papi gros nul. Saute vite du bateau, tu vas te noyer, chérie. Non, je ne peux point laisser mon bateau couler tout seul. Eh ben, gros porc, t'avais trop chaud ou quoi pour taper une petite baignade? Eh bien non, mon cher ami, c'est juste mon bateau qui a coulé. Tu pourrais me sortir de là? Pas de soucis, je vais aller chercher une corde avec un crochet. Merci, gros chien de tes morts, je sais vraiment pas comment te remercier. Me remercie pas et attrape ça, gros. Ok, vas-y. Peppa et George vont passer la journée chez leurs grands-parents. Salut, grand-père et louf. Salut, vieux gros porc. Oh, à chaque fois que je vois vos visages des enfants, j'ai une petite érection sa mère. Oula. Bon allez, j'ai la chave, je vais aller manger du saucisson Hellel. Ouais, c'est ça, casse-toi, grosse pute. Maman Pig part manger du saucisson Hellel. Papi, pourquoi mamie elle est pas avec toi? Eh bien, si mamie n'est pas là avec moi, c'est parce que je la séquestre dans le grenier depuis déjà un mois, Peppa. Ah bah oui, normal, hein. Mais c'est trop génial ça, papi. Eh ben je sais, Peppa, que c'est trop génial, et si vous voulez même, on peut aller la pranker. Oh ouais, vas-y, j'adore faire des pranks. Bon, Peppa, faut que tu trouves un moyen pour que ta grand-mère vienne coller son crâne sur la trappe du grenier. Dac, mamie, viens coller ta tête sur la trappe du grenier, STP. Ok, c'est bon, m'appelez les index, s'il vous plaît. Ok, maintenant, les enfants, regardez bien. La famille de Peppa va passer la nuit chez la cousine Chloé. Salut les porcinés. Salut les gros porcs. Vous devez être épuisés après avoir fait 31 heures de voiture pour venir jusqu'ici. Oh que oui, on va pas faire long feu ce soir, on est extrêmement fatigués. Voilà. Comment ça, mon ref? Nous allons commencer par coucher bébé Alexandre. George et Peppa adorent bébé Alexandre. Voici il fait chier bébé Alexandre, vous allez voir. Oh là là, un dinosaure sauvage est dans la chambre du bébé. Un dinosaure, ferme ta gueule. Dans Malcolm. Le dinosaure vient de bouffer George, mais il a encore un petit creux. Je suis Olivier de Terglace. Enfin bref, il est content de coucher le bébé. Bébé Alexandre adore s'endormir paisiblement avec une berceuse. Sauf que George a une idée en tête et il n'a pas envie de laisser le bébé dormir paisiblement. Hier soir, j'ai pratiqué la bio, c'était trop cool. C'était trop cool. À force de son banania, mon lait qui Hier soir, Pedro Pony a eu une crise cardiaque. C'est pourquoi Peppa et sa classe se dirigent vers l'hôpital pour lui rendre visite.
Et nous y voilà, les enfants, descendez tranquillement et je vous demanderai d'être bien sage une fois à l'intérieur de l'hôpital. Bonjour, on vient voir Pedro Pony. Ah ouais, le petit schlag, bah il a été plongé dans un coma artificiel, sa chambre elle est située juste là-bas. Ah okay. Oui, d'accord. J'espère vraiment que Pepito il va bien et qu'il va pas mourir, hein, parce que ça serait super grave quand même. Pedro est sous assistance respiratoire, une machine le maintient en vie. Si jamais cette dernière en venait à être débranchée, il risque la mort. Mais quelqu'un l'a débranché. Oh, merde, oh, il est con, lui. J'espère que personne m'a vu, oula. Bon, bah, repose en paix, Pedro. Le dernier host, les bâtards. Pépa et sa famille viennent une fois par semaine dans cet immense tour afin d'admirer le paysage. Wouah! C'est vraiment toujours aussi plaisant d'admirer la vue d'aussi haut. En plus, guetté d'ici, on voit un mec en BMX. Ah bah oui, dis donc. Il a l'air trop chaud, Zubby. Ah, bah, je crois qu'il est décédé, le pauvre. Mais bon, je m'en bats les couilles. Les enfants qui viennent regarder en premier dans le télescope. Bah moi vas-y, j'aimerais bien commencer en première. Vas-y, ben viens par là, Pépa, alors. Oula. Wouah. Il y a une gadget qui en plus elle a un gros cul, ça devrait te plaire, genre. Georges adore les culs, parce que c'est un petit cochon coquin. Maman, elle est trop bonne, donne-moi ton 06, bébé. Georges essaye de faire signe à la meuf pour qu'elle vienne le voir. Mais Georges, elle te voit pas d'ici. Et en plus, t'as aucune chance avec ce genre de fumeux, t'es beaucoup trop moche et t'es une petite bite, Georges. Pépa et sa famille rendent visite aux grands-parents. Bon, j'espère que les vieux qui dorment pas, parce qu'il est quand même 23h61, ça me ferait chier de les réveiller, oula. Putain, c'est qui les enculés qui sonnent? Ah, c'est que vous, vous avez de la chance, j'étais à deux doigts d'enculer des mères, là. Désolé de t'avoir réveillé, maman, on va t'expliquer pourquoi on est venu. Les enfants, vous voulez observer la lune avec ton télescope, si ça te dérange pas trop, papa? Si, ça me fait chier, mais venez quand même, bande de bâtards. Papy Pig emmène Hellouf jusqu'au télescope. Et voilà mon gros engin, et je parle pas de ma bite, juste du télescope. Bon, les mioches, par contre, je vous demanderai d'être un tout petit peu patient. Pourquoi il faut être patient, papy? Bah, parce que ça prend du temps de déployer le télescope jusqu'à la lune, Pépa. Ah oui. Papy Pig a bientôt fini de déployer le télescope jusqu'à la lune. Enfin, c'est bon. Qui veut regarder en ah, premier, bah, là, les enfants? Ah bah là, t'es sûr de le regarder de près? Non, c'est quoi? C'était quoi, Screamer? Oh, voilà, je vous rappelle, abonnez-vous à Alien. Dans, oh, je me dis... Super bien ces doublages. Et on compte encore faire des doublages en feat sur d'autres vidéos, tout ça. Voilà. Voilà, voilà. Bah là, je vais... Ça fait déjà une heure. Attends, on est 32. Oh. Je vous rappelle que je fais des lives tous les mercredis à 18h, voilà. Et donc le prochain live sera, bah, mercredi prochain à 18h, qui... ah oui, je vais jouer au jeu Peppa Pig, pas sur Roblox, mais le vrai jeu. D'ailleurs, faut que je le télécharge. J'ai toujours pas installé. Et je le découvrirai avec vous en live, voilà. Ça pourrait être super marrant. Voilà, bon bah je vais vous laisser, je vais vous dire bonne soirée à tous, merci beaucoup d'avoir été sur ce live, en tout cas je me suis bien amusée. Bah là faut que je finisse la vidéo de samedi, donc c'est une vidéo longue de Peppa Pig, si Peppa Pig était interdit pour les enfants, ça va être super marrant. Voilà, donc j'espère que vous serez au rendez-vous, allez, annyeong, bisous, oh. Salut.